Eh bien bonjour les amis, bienvenue sur Père la Galère Gaming. J'espère que vous allez bien. Je gâche pas mon plaisir d'être avec vous ce soir et je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai bien un bon surnom, moi je vous le dis. J'ai mon ordinateur qui avec lequel je live d'habitude qui a crash mais complet. Le disque dur il est mort. Mais complet. Et du coup j'avais ce soir normalement prévu un live mais sur YouTube. Et du coup il veut pas. Donc comme il veut pas, bah, écoutez on va passer sur Twitch parce que... Comme on devait passer sur Twitch, je pense qu'on va tout annuler sur YouTube et puis qu'on va passer sur Twitch. Par contre, ce que je pourrais pas faire, c'est liver des choses. Comment dirais-je? C'est liver des choses de PS4, par exemple. Parce que mon ordinateur que j'ai là, il est très très gentil, c'est un très bon ordinateur, mais il sera pas capable. Il va vite monter en surcharge, le pépère, et du coup, ce sera pas possible, mais c'est pas grave. En tout cas, on va continuer notre aventure, on va changer de scène, on va se mettre sur... Alors, c'est mon vieil ordinateur, j'ai commencé avec celui-ci, pour tout vous dire. Et du coup, il y a même le lancement et tout, mais je vais pas vous le faire. On va changer de scène, on va... Je l'espère que ça va aller bien. Alors, il n'y a pas les abonnés, il n'y aura rien, là, ça va être... Jusqu'à temps que je change d'ordinateur, il y aura que fif, il y aura que dalle, il y aura un peu ce qu'on peut, et puis on verra bien. En tout cas, j'espère que ça va bien pour vous, que vous avez passé, à contrario de moi, une bonne journée. Alors forcément, la cam est pas bien. Moi, j'avais l'intention, pour Noël, c'est pour tout vous dire, pas de me racheter un ordinateur, mais m'acheter quand même une belle petite cam, un petit fond vert, que vous ayez quelque chose de propre. Mais je pense que ça va pas être possible. On va être obligé, mais carrément, de tout de changer. Carrément, c'est pas grave, on fera comme ça. On est, du coup, fini ce long, cette longue introduction. On emprunte la route numéro 5 pour se rendre à Skiford. Et à Skiford, s'il neige, on est bien. Oh là là, vous êtes un antidépresseur, les gars. Et on va, écoutez, bah, partir comme ça. J'ai pu prévenir personne, mais du coup, on va le faire comme ça, c'est pas grave. Voilà. On va reprendre comme ça. On avait récupéré un vélo, je sais pas si vous vous en souvenez. On avait récupéré un beau petit vélo, donc du coup... Du coup, hop, on va balader à vélo. Moi, j'adore. Je le trouve très très beau. Alors, j'espère que ça va pas trop laguer quand même. Parce que forcément, bah, c'est le petit ordinateur. Donc, ouais, je vois que ça heurte un peu. Bon, écoutez, on va essayer de faire ça et de pas faire fondre l'encodeur. Et puis, on va voir. Allez, déjà, on va se faire un petit combat. Ça devrait aller, il va falloir que je vais descendre du vélo et puis on va y aller à pied, ça évitera les problèmes. J'ai élevé mes partenaires d'une manière peu commune, regarde donc. Alors, Lorenzo l'éleveur veut se battre. Lorenzo. J'espère que le son est pas trop fort. J'ai fait ça au dépoté avec l'ancien ordinateur, donc du coup. Peut-être que. Ce sera un petit peu compliqué. Alors, qu'est-ce que tu es, toi? Un nounourson, mais tu es magnifique, mon petit nounourson, bien sûr. On va faire un double pied sur le nounourson parce qu'on aime bien et que c'est super efficace, du coup. On va faire comme ça. Tranquillement. Alors. Il va falloir qu'on soigne, par contre, on n'avait pas prévu de se soigner. Bon, on est encore plutôt pas mal, c'est pas grave. Je pense qu'avec ça, ça ira bien. Ça suffira, il me semble. Alors, le nounours ennemi récupère des PV. Ah mince, zut! Ah bah ça va, ça suffit en tout cas. Et donc du coup, je vais peut-être obligé de devoir acheter un nouvel ordinateur alors que j'avais pas prévu. Ça va me mettre sur la paille tout ça. On verra quand le docteur des ordinateurs il rentrera de vacances, mais ça me paraît pas terrible. Alors, on va changer de Pokémon, continuer son changer. Alors, un Tarsal, je sais pas ce que c'est du tout. C'est la première fois que je le vois, donc du coup j'en sais rien.
On va continuer sans changer peut-être. Et puis on verra si jamais ça se... ça va. Mais salut toi. Mais salut. Mais donc t'es impartial. Ok. T'as remarqué qu'on voyait pas tes yeux peut-être. Ouais, t'as remarqué. Je pense qu'il a remarqué. On va attaquer. On va faire une petite nitro charge, on verra si c'est efficace ou pas. Ouais. C'est carrément efficace. Par contre, ça, j'aimerais bien chasser. Hein. J'aimerais bien qu'on puisse appuyer dessus pour attraper un truc comme ça, tiens. Alors, votre équipe a gagné des points d'expérience. On est pas mal là. En tout cas, Lorenzo l'éleveur envoie un bon bidou. On va pas changer, on va garder ça. Hop. On va garder Bidou. Bon bidou, il est trop beau, bon bidou. Mais t'es trop beau, mon bon bidou. T'es moignon. Ah ouais, je pense que ouais, c'est super efficace, tu m'étonnes. On va faire une flamèche. Une petite flamèche tranquille. Alors, un bon bidou ennemi est KO. Ou alors, je sais pas, on essayera de profiter peut-être des Black Friday. Mais on va voir, je sais pas encore ce qu'on va bien pouvoir faire en fait. Pour tout vous dire. Alors, on a battu Lorenzo l'éleveur. Les Pokémon sont des êtres vivants. On ne peut pas toujours contrôler leur développement, ça c'est certain. Alors, Ethan remporte 1824 Pokédollars. Ah, super, Ethan, il évolue. Allez, fais-nous rêver. Fais-nous rêver, mon copain. Oh, il est trop beau. En Torgamorte. Ah, il est super beau. Tu vois, ça fait du bien. Enfin, c'est pas mal que je me sois pas spoilé du tout les données de Targamor ont été ajoutées au Pokédex. Ok. C'est bonheur que je me sois pas spoilé du tout les évolutions, et j'aime bien parce que comme ça au moins on peut faire ça tranquillement et puis on peut les découvrir ensemble, quoi. C'est quand même vraiment pas mal. Alors, voulez-vous oublier une capacité? Oui, on va oublier une capacité. On va voir un peu ce qu'il veut apprendre. J'ai pas. Alors, type roche. Donc là, on est sur du 40, du 60, morsure, type roche, du 60. Coup de boule, par contre, on était sur du 70, c'est plutôt pas mal du 70. Je sais pas ce qu'on va faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Des rochers frappent l'ennemi, réduit aussi sa vitesse. C'est plutôt pas mal, ça. Hein, c'est vraiment plutôt pas mal. On peut la remplacer par charge, en cas. Regardez. On va remplacer par ça. J'aurais bien aimé avoir un autre truc de type eau aussi, mais... bon, écoutez. Un petit peu de roche, un petit peu de eau pour un type eau roche. Je pense que c'est pas mal. Allez, hop, tadam. On a oublié charge. Ok. Et on a appris... Ça c'est bien. Bon, bah écoutez, on verra si on est bien. Alors, par contre, est-ce que je peux descendre de là? Comment fait-on pour descendre de là? Ah, je pense qu'on peut, on doit pouvoir faire comme ça, voilà. Comme il fallait appuyer. Salut toi. Allez, on va faire les combats qu'il y a dans le coin. On va visiter. Je sais pas du tout où est-ce qu'on est. Je vais te montrer de quoi sont capables les champions que j'ai élevés. D'accord. Bah écoute, pas de problème. Manami, l'éleveuse, veut se battre. C'est un ami? Ouais, c'est Manami. Désolé. Ah, il est beau celui-là. Le chichou bidou là. Le chichou bidou, hein. Chinchidou. Trop fort. C'est un chinchilla. Choubidoua. Là, il est très joli. Très joli. Je pense qu'on va le faire cramer. Non? Vous pensez pas si on va le faire cramer, bien sûr. Mais bien sûr, ça marche toujours. Ça marche toujours, le cramage. Bon, ça a l'air plutôt pas mal, là. Je suis content.
Le petit ordinateur des familles, il tient bon la rampe et tient bon le ICO, quoi. Alors, voulez-vous changer de Pokémon? Il nous envoie un Candine. Un Candine-t-on ce soir. Ce soir, on dîne. Et quand, ce soir, vous avez... Je sais, ouais, on va changer, tiens. On va changer un petit peu. On va prendre... Tiens, on va prendre... On va prendre Amandine. Tiens. On va prendre Amandine, on verra bien. Envoyer au combat, oui. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça c'est une autre histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du champ, on a un tour rapide et je sais pas trop encore. Alors, champ, le lanceur attaque l'ennemi en chantant. Si plusieurs Pokémon déclenchent cette attaque, à la suite, l'effet augmente. Ok. La puissance, une attaque tournoyante. On va faire un tranche herbe parce qu'on connaît tranche herbe et puis on verra bien. C'est deux types herbes en fait. C'est rigolo. J'ai mis deux types herbes. J'aurais dû garder clairement j'aurais dû garder notre ami, mais bon, c'est comme ça. Ok, allez. Du coup, tiens, on va lui faire un tour rapide. On va regarder ça, ce que ça peut donner. Mais à mon avis, ça donnera pas grand-chose parce que c'est les deux mêmes en fait. Ah ben elle chante elle aussi. Il va falloir, on va changer, on va prendre un type herbe, ce sera mieux. Hein. Vraiment, vraiment, ce sera bien mieux. C'est juste que je connaissais pas Candine et du coup, ben, je suis enchanté. Mais on va changer, on va prendre un type feu. Tu vas avoir un petit peu. Alors attends, c'est pas là. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, Didi, il est là. On va renvoyer Didi au combat. Ça ira un petit peu mieux pour Andine. Ok, alors. Ben, on va faire une petite nitrocharge. Je pense que ce sera pas mal. On va enlever ça pour éviter le surcharge de l'encodage. Et oui. Ça, normalement, c'est pas mal. Angel, il monte de niveau aussi. On a battu Manami. Bah, tant pis pour elle. Alors, Ethan remporte 1824 Poké-Dollars, ok. Fait comme ça. Pourquoi ça n'a pas changé? Oh là là. Je me suis rendu compte de quelque chose. On va repasser par là. Je sais pas si je peux le faire en live, mais on va voir. Et je ne suis pas encore familiarisé avec la panne de l'ordinateur. C'est un peu compliqué pour moi ce soir, mais c'est pas grave. On va effacer ça, regardez. Et on va faire ça ensemble et tranquillement en même temps. On va descendre un petit peu, on va regarder ce qui s'y passe par là. Si on a quelque chose. Ah, regarde, on connaît pas. On va aller le chercher. Super, on en a des nouveaux. Ah si, 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 celui-ci on l'a pris, exactement. Attendez, hein, je suis à vous tout de suite. Hop là. Au moins notifié que c'est du Pokémon épée. Hop. C'est pas. Ok. Hop, on va changer le jeu. Deux secondes, les gars, je suis désolé. Hop, comme ça. Je vais faire comme ça. Et on va mettre à jour les infos.
sera mieux pour vous, ce sera mieux pour tout le monde, et je ferai ça un peu plus propre la prochaine fois, mais ça a été vraiment au dépoté, du coup, désolé, hein. Voilà. Allez, on est parti les gars. Je suis vraiment désolé pour vous et pour le désagrément. J'avais pas vu que j'avais pas changé de pour le live. Alors, on va l'attaquer. Oui, on va l'attaquer avec avec une flamèche. Parce qu'on va vouloir le chasser. En fait, je vais vouloir le récupérer. Donc du coup... Ok. Parfait. Désolé du coup les gars pour le désagrément. Ça voulait pas fonctionner ce soir sur YouTube et ça a pas fonctionné plus ici parce que il a fallu que j'aille un peu vite. Du coup on va lui faire ça quand même et après on essaiera de lui envoyer une Pokéball pour essayer de le récupérer. Oh bah non, trop tard. Trop compliqué. Alors on gagne quand même des points d'expérience, ok. C'est pas grave, on va. J'y en avais un autre juste à côté. Alors. Ah. Ah. Explique-moi un peu l'étincelle, comment ça se passe. 65. Alors, lance une charge électrique sur l'ennemi. Peut aussi paralyser. Ça on aime bien. On va changer avec ça. Ça va nous permettre de le... Pikachu va monter un petit peu de niveau, ça va être un peu plus sympa avec étincelle. Amandine aussi elle monte de niveau, ça c'est pas mal. Il faudra à Pikachu qu'on lui rajoute son nom, parce que j'avais complètement oublié, donc on le fera. N'ayez crainte. Et Amandine elle évolue. Oh là là. Ah, elle est trop belle. Elle est trop belle. Alors, je l'ai vue parce que je l'ai vue en... quand on a fait le combat dans l'arène. Dans le premier stade, pardon. Et du coup, j'ai vu l'évolution. Mais alors, oui, mais c'est magnifique. Un blanc coton. Mais qu'est-ce que c'est beau. Vraiment, 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 le gars qui a dessiné les nouveaux Pokémon, là, il s'est vraiment régalé. C'est vraiment, vraiment plaisant. Ouais, vraiment. Vraiment très bon, en fait. Alors, Amandine, sport coton, eh ben, on va regarder un petit peu si on peut lui faire apprendre ça. C'est un type plante déjà, ce qui serait pas mal pour un type plante en fait. Alors, le lanceur libère des spores cotonneux qui collent à l'ennemi et baisse de beaucoup sa vitesse. Ouais, mais... Allez, on va le mettre à cette place-là parce que du coup, comme c'est un type plante, on va changer... Mais bon, c'est quand même pas super sport coton, mais on va le mettre de toute façon, comme ça on est bien. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer là? Ah, viens ici. On tape, on n'a pas ça. Ça on n'a pas. Alors, il va falloir y aller doucement, je pense. On va essayer de l'attraper déjà avec une Pokéball, juste comme ça pour voir. Et sinon, après, on essayera de baisser sa vie un petit peu. Mais je voudrais pas lui faire trop mal parce qu'on a quand même, pas mal d'écart en fait. D'accord. Bon. On va lui faire un petit truc un peu gentillé, du style une vive attaque en espérant que ça lui fasse pas trop mal en fait. Et comme ça on peut le récupérer. Ouais, c'est pas mal. Un Citigris. Et du coup là on va lancer une Pokéball et puis on va bien voir si ça fonctionne. En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas trop décontenancé par la nouvelle ancienne interface, en fait. C'est pas... Alors, attends, on va aller dans le sac. On va essayer avec une Super Ball. Hop. Je vais voir.
On n'en a pas beaucoup, mais on va en utiliser quand même. On va essayer. Eh, bravo. Parfait. Ouais, là maintenant clairement il faut attaquer qu'avec des super balles en fait, mais j'avais pas assez d'argent la dernière fois pour pouvoir le faire en fait. Donc on est obligé de faire pas mal de combats et on en rachètera quand on trouvera un magasin sur la route. Les données de Psytigris ont été envoyées au Pokédex. D'accord. 3,5 kg. Sous son max inexpressif, il fait constamment en train d'essayer de contenir ses puissants pouvoirs psychiques. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on va lui donner? On va l'appeler Mystique. Ouais. Mais on va l'appeler Mystique, mais comme ça. Voilà. Ça me plaît bien. Comme ça, ça me plaît bien. On va l'envoyer dans la boîte de PC, pardon. Et comme ça on est pas mal. Oh oh, et toi? Salut! Ah, on l'a, le Chumbidou. Le Chumbidou, ouais. Celui-là on l'avait pas. Comme ça c'est bien, ça nous fera aussi progresser. Lui il va s'appeler Snoopy par contre, de sûr. On va l'attaquer, mais on va l'attaquer doucement en fait. Efficace, efficace. Super efficace. Mais je voudrais pas le brûler, je voudrais pas lui faire trop mal. On va essayer ça. On verra bien. Alors, le chien du oiseau là, j'utilise quoi? D'accord. C'est pas grave. On va venir lui envoyer une super bowl et puis on verra. Ok, c'est pas mal. On est bien. On est bien pour l'instant. On gagne un petit peu de points d'expérience, pas grand chose, 156, 109, bon, mais c'est déjà plutôt pas mal. Je sais pas la différence par contre, pourquoi on peut prendre tant de points selon les personnages. Ouais, on va l'appeler Snoopy. Parce qu'on aime bien. Voilà. Ok. On va l'envoyer dans la boîte de PC. Et allez, c'est parti. Tranquille, tranquillement, tranquillement. Non, 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 toi, on t'a déjà vu, toi aussi. On va aller faire le tour par là de l'autre côté, regardez, mais c'est magnifique ici. Ah, c'est super beau. Qu'est-ce que c'est ça? Waouh! Bonjour! On se connaît pas, nous. Un culbutoké. Mais non. C'est génial. Incroyable. C'est un culbutoké. Ok. Du coup, lui, par contre, il est niveau 21. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le sac. On va peut-être se soigner un petit peu. On n'a plus grand-chose comme potion non plus. Il est temps qu'on aille en ville. On trouve un centre Pokémon pour pouvoir se soigner. Et puis racheter un petit peu des trucs. Des super potions, si on pouvait avoir des super potions aussi. Bon, ça va venir, je pense. Du coup, on va l'attaquer. On va essayer avec... Alors, une flamèche pour éviter de trop... si jamais il craint, pour éviter de trop l'abîmer. Mais il craint pas. Oh, oh, si ça fait mal, ça. Alors... Lui nous a fait très très mal. Ce qu'on va faire, on va essayer de changer. On va prendre un gel juste pour voir ce qu'on peut faire avec lui. De quoi? D'accord. Alors du coup, je vais le soigner. Hein. Sac. Mais vu ce qu'il nous enlève, ça va être compliqué là. Bah écoute, hein, on va bien voir ce que ça donne. Voilà.
On va se soigner encore une fois, je pense. On va laisser passer un tour. J'espère qu'on va pas le regretter plus tard. Ok, donc ça c'était pas très efficace. On va essayer double pied. Non plus. Cul buto là, à mon avis, va nous faire très très mal. C'est sûr qu'on peut pas changer. Par exemple, envoyé au combat. Impossible de rappeler un Pokémon. Ouais, d'accord. Bon. Je pensais qu'on pouvait, moi, mais pas du tout. On va essayer de faire une nitrocharge quand même. Eh, salut Orphan, comment tu vas? T'es en forme? Ça fait plaisir de te voir. Alors, pour te résumer, crash de l'ordinateur principal. Donc, je live avec mon vieil ordinateur. Donc je devais liver sur YouTube mais c'est pas possible. Donc du coup bah, j'ai livé ici mais la guigne aujourd'hui mais vraiment. Du coup c'est pas terrible. C'était pas terrible. J'étais un peu à fond, un peu en colère, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire. Il a fallu vite que je change d'ordinateur. C'est le disque dur qui a morflé en fait. Mais du coup voilà. Tant pis, ça arrive. Il y a des jours comme ça où tout va pas. Et ben aujourd'hui ça voulait pas aller, figure-toi. Mais c'est pas grave. J'ai réussi à sortir le vieil ordinateur avec lequel j'ai commencé, le vieil AverMedia. J'ai tout connecté. Et puis ben, pour l'instant, écoute, ça tient. ça tient la route. Donc je pourrais pas faire de la PS4, mais du coup, tant pis. Il va falloir que je change un petit peu tout ce que j'avais prévu. Mais c'est pas grave. Allez. C'est parti. Et comment tu vas? Est-ce que t'as passé une bonne journée, toi? Alors, le culbutoqué. Il déteste la lumière et les chocs. S'il est attaqué, il se gonfle pour riposter violemment. Ok. Vous voulez lui donner un surnom? Non. Alors, inclure dans l'équipe non plus. Mais celui-là, on l'avait pas, du coup on est pas mal content. C'est plutôt pas mal de tomber dessus. Mais ouais, il nous a... On va essayer de se soigner un peu. On va se mettre ici, là, tranquille, on va secouer le cocotier. Alors, c'est un arbre à baie, voulez-vous le secouer? Ouais. Allez, fais voir un petit peu. Ça a été mieux que moi alors la journée finalement ou pas? Parce que moi j'ai perdu les clés d'une cliente de son garage en fait. Déjà j'ai couru après ses clés toute la journée, je les ai jamais retrouvées. Plus l'ordinateur qui casse. Donc du coup c'est un petit peu compliqué. Je vais être obligé de racheter un ordinateur. Je peux dire que j'avais pas prévu ça du tout. Ah c'est vrai? Ah, tranquille. Allez, on va arrêter de secouer par contre. On va aller voir le monsieur qui est là. On va aller lui parler parce que du coup, on l'a pas vu. On sait pas qui c'est, on lui a pas parlé. Non, non les chouchous. Allez, viens. On va se battre. Qui peut te battre? Krusty bat. L'année 2019 est la pire. Vivement 2020, t'as raison, c'est tout pourri. J'en suis à deux ordinateurs quand même cette année. Qui me crache dans les mains et le docteur ordinateur il est pas là, il est en vacances. Donc il va falloir que j'attende un petit peu. C'est le disque dur qui a complètement lâché en fait. Donc je me retrouve avec une interface une ancienne interface et l'ordinateur, celui-ci est un peu petit si tu veux, et l'encodage a vite fait de saturer, donc du coup des ralentissements, donc du coup j'évite un peu de mettre pas mal de trucs à l'écran, ça va le décharger un petit peu. Du coup on va faire une nitrocharge. Il est trop beau celui-là. Il est trop beau le vert pomme. J'adore le vert pomme, il est incroyable.
Ouais, je sais, mais ouais, je sais, on en a discuté d'ailleurs quand je suis monté par chez lui, puis qu'on s'est vu. On en a discuté, j'ai dit, je l'ai plaint fortement, mais du coup, ben voilà, c'est mon tour. On va l'attaquer, mais on va faire juste une vive attaque, ça sert à rien de faire autre chose. Mais j'étais un peu dépité ce soir parce que. En plus, je live sur YouTube, j'avais prévu le live sur YouTube, en plus, je le lance sur YouTube et bien sûr, ça passe pas, ça veut pas. J'ai dit, allez, du brin, je le prends et je passe sur Twitch. Et de toute façon, je vais tout lever, je vais tout faire sur Twitch. C'est dommage parce que j'avais une belle petite communauté aussi sur YouTube et je sais pas s'ils suivront, mais du coup, ça m'embête un petit peu. Ok, lui, c'est fait. On va se mettre un tout petit peu par là, puis on va attendre un peu. Tiens, fais voir ce qu'on a. On va essayer de trouver un petit peu. Ah oui, celui-là, on l'a déjà chassé. Donc on va le. Il me semble. Donc on va juste le combattre. Ouais. On va y faire ça. Mais hey, salut Masterman, comment tu vas? T'es en forme? Oui, je pense aussi, Orphan. Je pense aussi, ouais. Alors, votre équipe a gagné des points d'expérience. Comment tu vas, mon petit master? Je suis désolé, je suis passé par là et je devais. Ça voulait pas. Ça voulait pas live. J'ai plus d'ordinateur, si tu as vu sur Discord, je l'ai mis. Il est. Donc je live avec l'ancien en fait, avec celui avec lequel tu m'as connu les premiers temps. Et du coup, on n'a pas tout à l'écran forcément. Oh, génial! Le vert pomme. Allez, on va compléter un petit peu le Pokédex. Il est super joli celui-là, j'aime bien. Ah oui, Pokémon épée, ouais. Pokémon épée, pourquoi c'est marqué quoi sur le live? Ça a pas modifié? Ça a dû modifier normalement. Ouais, je devais live Pokémon épée sur YouTube, mais du coup j'ai pas pu le faire. Là, on va y aller tranquille. On va envoyer la Pokéball, je pense directement. Ah d'accord, Master. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir, les gars. Tu pourrais balancer le lien sur le Discord, s'il te plaît, Master, le lien du live pour dire aux gens qu'on est en live sur Twitch. J'ai pas eu le temps de le faire, du coup, j'étais tellement bousculé entre l'ordinateur qui me claque dans les doigts et le live à lancer, ça a été un peu compliqué en rentrant à 5h30 et le live était à 5h45, 17h45, donc ça a été un peu compliqué. On va l'appeler Pompidou. Pompidou, on va l'appeler. Pompompidou, pouh! Allez, chiche. Pompidou. Je suis trop fort. N'importe quoi. Bah, j'aurais dû l'appeler Marilyn, du coup. J'ai pas regardé, je suis bête. Ouais, ah ouais, non, non, on va l'appeler Marilyn parce que Pompompidou. Oui! Oui, c'est le super GG. Il est joueur, Soloic. Zut, fais voir. C'est pareil, le micro, j'ai pas pu refaire, enfin c'est pas grave. On va l'écrire comme ça, Marilyn, parce qu'on est comme ça, nous. Et que les prénoms ont pas d'orthographe, en fait. Oui, mon chéri. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon bébé? La télé, elle s'est éteinte dans ta chambre, c'est ça? Quoi? Attendez les gars, il y a un psychodrame. 2 secondes. 2 secondes. Ouais, désolé les gars. Le petit, il était pas bien. Et il a eu maille à partir avec son assistant personnel nommé Google. Et du coup, il lui met pas son dessin animé sur la télé et du coup, il est descendu en pleurant. Donc, je suis désolé, j'ai fait une petite pause quand même. On l'envoie dans la boîte à PC. Ouais, exactement. Allez, on va attendre un peu, on va regarder un petit peu. Si on a d'autres choses. Non, on n'a pas. Donc ça, on va fuir parce qu'on a déjà.
Ah, t'entends le son, mais t'as pas l'écran. Oh zut. Ah mais je vois qu'il n'y a pas que moi qui s'est fait. Il n'y a pas que moi qui ai des problèmes, donc ça va, ça me rassure en fait. C'est plutôt pas mal. Ça me fait plaisir. Un petit peu ça me fait plaisir. C'est pas terrible, mais ça fait plaisir qu'il n'y ait pas que moi qui ai des problèmes. Aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ça a été vraiment une journée, mais incroyablement quoi. Allez, on va fuir, on va le laisser tranquille. Et puis on va continuer notre chemin. Alors on va pas prendre le vélo parce que ça va. Le vélo ça va tout nous faire bugger, je pense. On va y aller à pied tranquillement. Ah mais on connaît pas ici. Mais non. Mais on est sur quelle route là? Fais voir un peu la carte. Ah si, d'accord, c'est juste à côté de la maison. Ça faisait juste un petit arc de cercle. Et oui, le caméraman, pardon, ouais, exact. Et pompon. Ok. Allez, ben on va continuer comme ça. On va prendre le pont tranquillement. Bonjour. Non, mais elle se prend pour qui, la team Yel? Ben ouais. Alors, prétendre soutenir un challenger en sabotant les autres, ça se fait pas. Ben non, pas vraiment, en fait. Ok. On a un truc là. Alors, plus de métal. Ok, on va continuer un petit peu. Waouh, c'est magnifique là en bas. Ah, te voilà, je t'attendais pour mieux te défier. Ah, mais non, mais je suis pas soigné. Continue d'avancer et je te provoquerai en combat singulier. Ok, Dak. Allez, on y va. On va faire un petit combat, ça va nous faire du bien. Ça va nous dérouiller un petit peu. Alors, Nabil, le dresseur, veut se battre. On va voir un petit peu. Un moumouton. Moumouton, c'est double pied, normalement, il me semble. Pour être plutôt pas mal, il me semble que c'est avec du double pied, ça marche bien. Ça fonctionne bien, pardon. Ouais, exact, super efficace. Alors, on va faire ça. Un petit double pied. C'était magnifique la vue qu'il y avait là-bas, de l'autre côté, là. Vraiment. Clairement. Alors, c'est super efficace. Toucher une fois, ouais. Alors, il n'y a pas de doute, tu maîtrises à fond les affinités de type. Alors, votre équipe a gagné des points d'expérience. C'est parce que je suis bon dans les rencontres, Nabil. Que je m'y entends bien avec les types. Alors, un bleuzaï, oui, rencontre du troisième type. Allez, vas-y, je vous la fais comme ça, je vous la fais toute. Comme ça, au moins, c'est faux. Alors, un bleuzaï. Un bleuzaï, on va garder. Pour la bleuzaï, on va garder. La bleuzaï. C'est la bleuzaï. Pour la bleuzaï, on va garder ça. Il est super beau. Mais vraiment très très beau. C'est Mastermon, mais en face. On va utiliser Flamèche, tiens. Ça lui fera pas trop mal, mais tant pis. Hein. On va continuer comme ça. Alors. Oh. Mais écran noir? Mais c'est pas vrai. Mais comment ça se fait? Eh oui, je sais que tu fais mal. Je sais bien que tu fais mal, j'ai bien vu, je suis pas en bonne forme là. Une nitrocharge et ça devrait le faire, je pense. Ah non, il le soigne. Oh, il a des super potions lui, moi j'ai juste des potions normales. Wow. Pourquoi je porte la poisse? Ouais, c'est possible, ouais, c'est possible, ça peut arriver. Il y a des jours comme ça où ça peut arriver. Votre équipe a gagné des points d'expérience, ok. Ok. Mais non, je porte pas la poisse. Mais là, aujourd'hui, je t'avouerai que, ouais, ben, j'ai la guigne. Ça arrive, hein, d'avoir la guigne. Bah, ben, je l'ai. Du coup, je me suis dit, faut que je fasse un live, tout ça pour être bien, en fait. Je sais pas, tiens, j'ai pas regardé ce que c'était, on va changer. On va prendre Angel. Allez, hop. Et continue Orphan, hein. Bientôt tu vas avoir ton prénom hein. En Pokémon, donc choisis bien
Et je te donnerai un nom à ton prénom à un Pokémon comme ça au moins. Oh, il est beau! J'aurais pas dû changer, mais il est super beau en fait. Badadouin, il a évolué, il est magnifique. Wow. Super, vraiment super. Du coup. Tiens, on va y faire une projection juste pour voir. C'est bon, ça nous fait pas trop. Toi, t'es un célib, c'est vrai? tiens, un petit cogne. Moi, j'étais célib avant, mais plus maintenant. J'ai eu une femme journée adorable et un petit loulou très gentil aussi. Un peu fatigant, mais très gentil. Ah, ça, c'est pas très très efficace, même s'il y en a trois. Ça fait des petits dégâts, mais pas énormes finalement dessus. Et maintenant, que vais-je faire? Que sera ma vie? On va lui faire une balayette, parce que comme on a fait du Luigi hier, on avait un aspirateur, on change un peu, on prend de la balayette aujourd'hui comme ça. La boucle est bloquée. D'accord, et eh ben écoute, quand je le croise, pas de problème. Si je croise, tu cries. Si je le croise, tu cries. Et puis j'y donnerai ton prénom. J'aime bien faire ça. Comme tu verras, il y a Angel. Pikachu, il va s'appeler Lionel. Et puis après, Ethan, c'est mon fils. Didi, c'est un abonné. Amandine, c'est ma chère et tendre épouse. Et Mastermon, c'est le monsieur qui a l'écran tout noir parce qu'il me suit. Le pauvre. Alors, Angel va prendre tranche. Ouais, ça, on va lui prendre par contre. Oublier une capacité. Un nom tranche, c'est normal ça. 70 quand même. Hein. Un coup de griffe. On va le mettre à la place. Ouais, on va le mettre à la place de provoque parce que de toute façon. D'accord. Eh ben, dès que je croise un Ambrilex, je prendrai. Ah, bravo Master. Bonjour et bienvenue Master. Bienvenue sur Père la Galère Gaming. Et aujourd'hui, je partage mes galères en fait. Heureusement que j'ai toujours celui-ci de. Alors, celui-ci d'ordinateur de secours. Alors, attends, on a tous les deux le badge plante, non? Alors, pourquoi t'es plus fort que moi? Ben parce que. Parce que. C'est comme ça. Alors, t'assures de plus en plus, Ethan, va falloir que je m'entraîne comme un fou si je veux pas me laisser distancer. Ah, super, un petit rappel. Au prix où ça coûte, on veut bien. Alors, la prochaine sur la liste, c'est Donna de l'arène de type O. Ah, petite Donna. Mastermind la galère, c'est exactement ça. Désolé. Désolé. Regardez si c'est beau là. On va pouvoir y faire un tour, vous pensez? Ouais, je pense. Hein. Je pense bien. On va pouvoir y aller. J'aime bien ce jeu, il est magnifique. Ah, il est déjà évolué celui-là, tiens. Il doit être. Là, à mon avis, il va falloir qu'on fuit. Hein. Parce que pour que ça te tombe comme ça, j'y crois pas trop. Ah non, niveau 22. Mais on en a déjà un qui a évolué, mais on peut-être essayer, tiens. Super efficace, on va éviter le super efficace, on va essayer l'efficace. C'est exactement. J'ai pas osé. J'ai vraiment pas osé la faire celle-ci. En fait, j'y ai pensé puis j'ai vraiment pas osé. J'ai dit oh non quand même, je vais pas le refaire. Enfin, trop bon. Bon ben la prochaine fois, je sais que je peux quoi. C'est bon. Non parce qu'il y en a, certaines que j'évite. Mais si vous êtes fan, moi ça me va. Hein. Parce que moi tous ces trucs à la toutes ces références là, moi j'y vais bien quoi. Généralement j'y vais bien. Allez, on va essayer de le chasser. On va essayer d'envoyer une Pokéball. Et puis c'est quoi Winsock Master? Aïe!
c'est pas très efficace, mais allez, on va remettre ça. Là, ça devrait aller. Je pense qu'on devrait arriver à le choper quand même. Enfin, j'espère. Son canon. Aïe. Allez, s'il te plaît, sois sympa. Et non. Alors, on va... Non, pardon, autant pour moi. On va aller dans le sac, on va se soigner, et puis on va essayer de lui relancer une Pokéball. Ah d'accord, je sais pas. Je sais pas du tout qui c'est. Mais bonjour, bonjour à lui, en tout cas s'il est sur le live, bonjour et bienvenue. Allez, on va essayer de lancer ça, bim, comme ça. Non! Ah, zut. Ah bah ça y est, il dort maintenant. Oh! On peut quand même lancer une Pokéball quand il dort, vous croyez? Ouais, c'est possible. Ouais, c'est pas mal. Allez, 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 allez. Sinon, on s'arrêtera là. Parce qu'on n'a plus de Pokéball, en fait. Si, parfait, on l'a. Alors. On va l'appeler Neige. Alors, faut voir un petit peu comment elle est, celle-ci. Allez, un petit nom. Parce qu'elle est jolie et qu'on l'aime bien. Et qu'elle est blanche, Neige. Elle est très mauvaise. Je sais qu'elle est mauvaise, mais je la fais quand même. Et oui, c'est comme ça. C'est au dodo, Didi, allez hop. Punaise. Oh là là. Eh oui. Non, quand même, je suis vraiment, vraiment, vraiment désappointé. Parce qu'elle était vraiment très, très mauvaise. Je suis désolé, des fois, j'en fais des vraiment meilleurs, hein, les gars, des fois. Je vais certainement, normalement, celle-là, je vais faire un clip dessus, tu sais. Je sais pas comment ça marche, ces trucs de clip, au fait, les gars. Si quelqu'un sait et il veut bien m'enseigner le... Alors, attendez. On va soigner, par contre. On va faire comme ça, parce que là, s'il faut qu'on se batte, en plus, comme Krusty bat, ça va pas aller. Là. On va faire ça. Non, on peut pas par là. C'est par où? C'est par le sac, je suis bête. C'est ça? Yes. Alors, anti-dodo. Donc on va prendre une réveil. Ouais, on va l'utiliser ici. Comme ça, ce sera pas mal. Didi se réveille. Ça, c'est parfait. Puis après, on va lui mettre un petit peu de... Pardon. Hop, on va lui mettre... Enfin, on va lui mettre... on va lui octroyer un petit peu de potion. Comme ça, c'est pas mal du tout. On va lui en remettre un tout petit peu aussi, encore. Voilà. Vivant qu'on ait les super potions avec nous, ce sera plutôt pas mal. Allez, on est reparti. On va faire le petit combat qu'il y a là. Et puis je pense que on va continuer tranquillement après jusqu'à la ville. On s'arrêtera vers les 19h, un tout petit peu avant les 19h les gars, parce qu'il faut que je fasse le repas ce soir. Alors, Erin, l'éleveuse veut se battre. Erin Brokovic. Ah ben on a bien fait de le... Il est magnifique celui-ci aussi. Vraiment, ils en ont fait... Le gars, il s'est vraiment éclaté, quoi, en les dessinant. Je trouve que c'est réussi. C'est enfantin, certes, mais c'est normal, c'est un Pokémon, en même temps. Mais les couleurs, la bouille qu'ils ont et tout, je trouve que vraiment, pour le coup, c'est plutôt pas mal, quoi. C'est plutôt vraiment bien. Alors, ok, on est pas mal. Ça se passe bien pour l'instant. Un chauve-souris. Le chauve-souris, on peut sans changer de Pokémon, on peut. Il me semble. Hein.
Il me semble qu'on peut. Ah, c'était pas avec lui, alors j'avais dû changer peut-être. Peut-être que j'avais changé, je me souviens pas de qui j'avais fait, mais bon, ça reste abordable. Il est de la génération numéro 4, d'accord. Elle est très bonne, Master, non pas de Takagi, non. Non, pas Takagi. Non, non, elle est de la quatrième génération. Ah, ok. Allez, fais voir. On va lui faire une nitro charge. Elle était très drôle, Master, tu vois. Vraiment très drôle. C'est ça, ça te paiera pas le Krusty Bat, exactement. C'est ça, Master. Alors, vous avez la tuée, Erin. J'ai perdu, c'est vrai, mais j'ai essayé de ne pas me laisser battre. Et on remporte 1824 Poké-Dollars. L'essentiel, comme disait Coubertin, c'est de participer. Ça se voit qu'il a jamais perdu. Parce que moi, participer spécial, ça me plaît, mais j'aime bien gagner, quoi. Y a que les perdants qui disent ça. N'importe quoi. Non, non, pas vrai, pas vrai, pas vrai. C'est vrai, l'important, c'est de participer, exactement. Salut. Allez, va. Alors, ne répète à personne, mais en fait, mon Pokémon m'aide dans mon travail. Ah ouais, moi aussi, il s'appelle Ethan. C'est un enfant de type feu et électrique. Il fait les deux, lui. Emily, l'employé, va se battre. C'est un très joli prénom, Emily. Tu vois, si j'avais eu une fille, je l'aurais certainement appelée soit Chiara, soit Emily. Un cradopo. Alors, à mon avis, le cradopo. Le cradopo. Et à mon avis, le cradopo avec le feu, c'était bon. Mais le cradopo. Mais le cradopo, les gars. Mais n'importe quoi. Oh, le nom est couché dehors avec un ticket de logement, bordel. Punaise. Alors, vous avez battu Emily. Ah, désolé, Emmy. Ah, tu as réussi à battre mon Pokémon alors qu'il est meilleur que toi. Ah là là, 1900 Poké de l'or. Impeccable. Mais si, de Scrooge qui bâche. Alors, quand je cours, croule sous les taches, mon Pokémon, pardon, me soutient en me caressant la tête. Ah ouais. Y a qu'à moi à qui ça fait penser à une blague salace. Alors, conseil au dresseur. Vous croiserez parfois des Pokémon entourés d'une aura indiquant qu'ils sont un peu plus forts que la moyenne. Si vous parvenez à les battre, vous pouvez gagner des watts. Ah d'accord. Plus vous capturez de Pokémon, ok, plus vous aurez de watts. Et nous, les watts, on aime bien. attendez, c'était quoi? Comment ça appuie sur ton stick gauche? Lequel? D'accord. Mais merci, on peut... Mais oui, mais c'est trop beau. Mais oui, Emily. Et Amy. Bon, ça se fait pas, Master, de siffler les filles. Ça se fait pas, mon sang. Et donc, du coup, quand tu siffles un Pokémon, il vient ou pas? Ah ouais, d'accord. Mais non, ils vont m'agresser. Au secours. Je veux pas. Je suis pas un garçon facile. Et j'allais dire quelque chose, et du coup, tu m'as troublé avec ton stick gauche. J'allais dire une blague certainement... Mais du coup, je me souviens plus. J'ai une mémoire de Dory l'exploratrice, tu sais. Ah non, c'est Dora l'exploratrice. Et Dory, c'est le poisson rouge. Exactement. J'ai une mémoire un petit peu comme ça. Ah, ouais, c'est ça. Ah, mademoiselle. et voilà, c'est ça. Mademoiselle. ça, je crois que c'est ça l'accent. Oh là 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 là, les gars. Quand même. Ah, vous m'aurez fait manger un steak ce soir. Ça m'a fait du bien d'être avec vous, vous voyez. Parce que vraiment, 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 j'étais vraiment tendu like a string, en fait. Ah oui, c'était ça, c'était la chanson des watts. C'est ça, c'est de toutes les matières, c'est la watt que je préfère. Alors, bonjour et bienvenue au centre Pokémon où nous soignons vos Pokémon. Eh oui, s'il te plaît, ouais, s'il te plaît. Et on va donner, par contre, on va aller voir pour les prénoms, je vais changer le prénom de... Ouais, t'es trop rigolo, Master, vraiment. Ah, c'est vrai, c'est ton délire avec Beta Star, mais tu sais que ça se fait pas, en fait. Comment il va, Beta?
Au fait, ça fait un moment que je l'ai pas vu non plus. Merci. À bientôt et merci. Alors, mon bon monsieur, on va acheter, ouais. Et du coup, il n'y a pas des super potions, si. On a des super bols et des super potions, donc on va acheter. C'était 7, 14. On va qu'à faire 10, hein. Voilà, comme ça. Ouais. Et puis on va prendre des super potions. Pour le reste, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Ah, d'accord. Du coup, il verra les rediffusions de toute façon. Mais je suis désolé, vraiment, ce soir, j'étais vraiment parti pour live sur YouTube. Et vraiment, ils veulent pas, quoi. YouTube, ils veulent pas que je live sur leur plateforme, à croire. Par contre, là où je vais être embêté, c'est ce que j'avais prévu. J'avais prévu du Death Stranding et j'avais prévu continuer Jedi Fallen Order, mais je vais pas pouvoir le faire parce qu'avec ce PC ça passera jamais quoi. Donc je sais pas ce que je vais faire, je sais pas comment je vais faire parce que j'ai pas le. Je vois, je vais essayer de voir si je peux pas le réparer l'ordi, mais j'avais pas trop le temps là. Alors souhaitez-vous autre chose? Non, on va quitter. Et on va changer le prénom. Ouais, spécialiste des noms, exactement. J'ai pas spécialement les moyens en fait de changer. On va l'appeler Lionel. De changer de comme ça d'ordinateur. Donc surtout que ce mois-ci je m'étais dépouillé avec tous les jeux que j'avais achetés là. Alors le nouveau ce sera Lionel. On va l'appeler Lio celui-là. Comme Lio, il fait plus partie de l'équipe, il était sur autre chose. Hop là. Allez, dorénavant, son surnom, ce sera Lio. Et ouais, c'est bien meilleur, mais je trouve aussi, hein, vraiment. Hein. Non. Non, non, on veut plus. Pardon. Autant pour moi, j'ai cliqué un tout petit peu trop de fois. Allez. On va faire le tour un petit peu de la ville, regarder un petit peu. Ah bah tiens, elle est là, l'autre. Je suis navré, mais le président est très occupé. Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir nous laisser? Merci. Bon, ok. Au revoir, monsieur le président. Au revoir, président. Enfin, chers amis, revenez, j'ai toujours le temps pour signer quelques autographes. Je vous donnerai même ma carte de la Ligue. Ah, le président avec la casquette et le short style, je suis à la plage, c'est le short de bain. Enfin, Liv, toutes ces bonnes gens ont bien le droit de profiter du plaisir que je leur apporte. Que leur apporte, pardon, ma présence, elles aussi. C'est ça, ouais. En fait, ça me fait, son nom, il me fait penser à Si Rose, en fait. Mais non, c'est Chirose. Mais du coup, Chiros. Mais du coup, ça me fait penser à Si Rose. C'est tout. Alors, ne perds pas de vue que sans le soutien des fans, nous ne serions rien. Sois donc un peu plus aimable avec eux, d'accord? C'est bien beau d'avoir des fans, monsieur le président, mais il faut qu'ils vous laissent travailler si vous voulez continuer à les éblouir. Monsieur Cyrose, moi aussi, je vais continuer à tout donner pour vous. Ben, commence par changer d'imperméable, parce que là, ça peut pas le faire. Ta doudoune, elle est immonde. Alors, c'est fort aimable à toi, mon petit. Mon petit, peux-tu juste me rappeler ton nom? Il va faire la petite trompette, c'est ça, il va faire la petite trompette pépouze. C'est la fin de journée, il prend son maillot et hop. Un petit plouf dans sa pistache. Alors, bien sûr, le brave petit Travis. Ah, c'est Travis, c'est vrai. Tu as bien grandi. Je me souviens encore de toi le jour où je t'ai donné un Pokémon. Tu as l'air bien parti pour réussir le défi des arènes et protéger du grand maître aussi, pardon. Vous m'avez fait l'honneur de me soutenir, monsieur le président. Je ne vous décevrai pas. Je serai le meilleur des challengers, vous verrez. Je vais m'entraîner de ce pas.
t'appelles Ethan, c'est bien ça? Je me demandais justement pourquoi Tarak avait décidé de te recommander. Je viens d'avoir une idée merveilleuse, c'est normal, après tout, je suis tellement fabuleux. Oh punaise, les chevilles, il va plus rentrer dans ses grolles celui-là s'il continue. Mon jeune ami, tu es en route pour affronter Donna, c'est bien cela? Écoute, je compte m'offrir un bon repas. Passe donc me voir une fois que tu auras obtenu ton badge pour qu'on célèbre ça ensemble. Ok. Tu pourras en profiter pour me parler un peu de toi, je suis curieux. Monsieur le Président, ce n'est pas pour vous bousculer, mais il serait temps d'y aller. Au revoir. Alors, je compte sur toi, jeune dresseur, surpasse-toi pour l'avenir de Galar. Il va manger sa moustache, ouais, peut-être, ouais. Ou sa barbe, comme il veut. Alors, le président a un planning très très chargé, mais il est prévu de passer au restaurant de fruits de mer un peu plus tard, ok. File récupérer ton badge et retrouvons-nous là-bas. Ne le fais pas attendre. Mais écoutez, on va y aller alors. Hein. On va y aller. On va y aller, mais on s'arrêtera là. On s'arrêtera juste en bas en fait. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, le restaurant, ok. Est-ce qu'on a de quoi pêcher ou pas? On va regarder un petit peu ce qu'on a là. Ah, ok. On peut acheter des choses? Non, peut-être pas. Bonjour, ici on vend des montagnes de remèdes, je suis en stage là, mais j'apprends vite. Ok. Poudre médicale, très amère, restaure... Ah, d'accord. Ah, on peut utiliser aussi des trucs comme ça. Racine énergie. Ok, ça c'est bon à savoir par contre les gars. La barbe, un excellent fruit de mer. C'est ça. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a? Sentez ces encens, laissez-vous tenter par leur parfum, en désirez-vous? Alors qu'est-ce que ça fait? Un encens au parfum exotique augmentera la puissance et les capacités de type plante, d'accord. Ok, là on est bon. Encens de type rock, c'est parfait. Et bonjour ma princesse. Et bonjour Mister Chacha aussi. Moi tout le monde est rentré du coup. Et doucement, doucement l'ordinateur le chat. Ok, et là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est pour déguster. Ah tiens, une petite Pokéball, tranquille. Pépouze. On a trouvé un aimant. Parfait. Ouais, je l'ai mis là. C'est pas simple. C'est pas simple avec le vieux, mais... je regarderai tout à l'heure, mais je crois qu'il est pas bien vivant. En tout cas, s'il est pas mort, chérie. Il a fait quelques... Comment il était ton ordinateur avant de mourir? Comme ça. Mastermon, il te dit bonsoir. Du coup, qu'est-ce qu'on a en bas? On peut pêcher, vous croyez? Ah, quand même, il y a un port. Ah, peut-être plus par là-bas pour la pêche, non? D'accord, on trouve un gros lot. Coucou madame, il dit Orphel. C'est madame de Haute-Savoie. Quand je serai fatigué de leur dire toujours les mêmes phrases. Lorsque demain ne m'apportera que les cris inhumains d'une meute aux abois, j'irai dormir chez madame de Haute-Savoie. Voilà, ça devait donner ça. Mais en fait, il faut le temps que ça se fasse. Tu comprends, des fois, la voix de la sagesse et de la guérison, c'est pas la même. Qu'est-ce qu'on a là? D'accord, on a la gare. Donc là, on doit pouvoir prendre le train. J'aurais dû être Sherlock Holmes en fait. Punaise, la panisse, il aurait pas pu dire mieux. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans une gare? Loïc, sérieux, t'es sérieux là? Je suis un peu drôle, oui, ce soir. Ce soir, j'ai bouffé un clown. Tu sais pourquoi? C'est quand la journée, elle s'est vraiment passée, mais pourrie. J'ai passé une... Mais vraiment, c'était vraiment pourri. Vraiment, les gars. Et donc, du coup, je me détends. Et quand je suis détendu, ça donne ça. Et détendu, ça donne ça. Vous imaginez le jour où je bois. Alors, tu es un challenger, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, je suppose que tu cherches Donna, la championne de l'arène. Elle est au phare. Mais où est le phare? Tu me dis... cherche... Punaise, cherche la mer et tu trouveras.
Elle nous a défoncé celle-là. Souvent, je dis, quand tu arrives à la mer, tu freines. Mais c'est ce qu'elle nous a dit en fait. Il dit où le phare? Tu vas jusqu'à la mer, et puis quand tu arrives à la mer, tu freines. Ah, mais on peut pêcher là, mais c'est génial. Attendez, on va. Si ça vous gêne pas, on va s'arrêter un petit peu pour faire de la pêche. Autant pour moi. Bien sûr, j'étais en train de. J'étais en train de regarder ailleurs. Et du coup, j'ai remonté la ligne par réflexe en fait. N'importe quoi ce soir. Bim! Oh, on n'a pas! Un embroché, bah oui, bah oui, tu m'étonnes. Allez, un embroché. Par contre, il va falloir changer de. Parce que le type feu sur l'embroché, ça doit pas fonctionner des masses en fait. Ah, on parle de phare breton, oui, toujours. Oh, punaise. Exactement. Enfin, tiens, c'est dommage, je connais pas une chanson avec un phare breton, sinon j'en aurais chanté une petite. Ah, par contre, qu'est-ce que je vais prendre pour battre celui-ci là? Tiens, on va le ruiner avec Angel, je pense. On va essayer avec Angel, si ça fonctionne. Allez, on va l'envoyer au combat. Ah non, j'aurais dû essayer Pikachu, je suis bête. Mais oui, mais quelle nouille. Quelle nouille incommensurable. Bon, c'est pas grave. Ça va. Ça va, on a limité les dégâts. Ce qu'on va faire, on va attaquer avec un truc un peu. On va essayer de faire ça en espérant que ça fasse pas trop trop mal. C'est la grand-mère de la Bretagne. Peut-être. Peut-être. Mais c'est pas sûr. On n'en a pas. Mais on gagne pas énormément d'argent, je trouve, dans ce jeu. Ou alors c'est moi qui prends trop trop de temps et qui dépense trop de Pokéball pour prendre des trucs. Parce que je trouve qu'on est toujours un petit peu short au niveau des Pokéball. Mais peut-être c'est moi qui me fais une idée là-dessus. C'est possible, hein, après, hein. Bon, on va tous monter un petit peu en. C'est super, on en a. Alors, les données d'embroché ont été ajoutées au Pokédex. Type O, je me doute. Sa mâchoire fine et aiguisée fait sa fierté. Embroché. On va l'appeler Findus. Mais oui, mais bien sûr. Heureusement, il y a. Allez, Findus. Du coup, j'ai. Allez. Et comme ça, je pense que c'est pas mal. Ouais, mais j'aimerais bien pour compléter un maximum le Pokédex en fait. Alors tu sais, je suis pas monsieur 100% moi, mais ouais, si on peut compléter un tout petit peu ce Pokédex, ça peut être pas mal. Et là, je trouve que avant de finir une petite session pêche, c'est pas mal. Pardon. J'étais en train de regarder le chat, pardon. C'est pas un cheval, Findus? Ah! Et oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que ça peut aussi être un cheval. On a un ami qui appelle ça comme ça, ouais. Exactement. On a Mister Coffee qui les appelle comme ça, je crois. Ouais, Findus, exactement. Pas faux. C'est pas Galak, le cheval? Non? Je me trompe. On fait un petit barbecue de brochet, ouais, si tu veux. Ouais. Je suis. Ah, pardon, autant pour moi. On va aller à un autre étang de pêche. Edouard, on va aller là. Hop, fais voir. Je suis sûr ça mordra mieux. Ah, mais en fait, il y en a de partout des. Mais non, mais pourquoi je fais ça? Il y a plusieurs endroits en fait. Fais voir. Hop. Viens, ici. Fais voir. Oui, aussi, ouais. C'est aussi du chocolat blanc, ouais. Non, encore un brochet à sauvage. Celui-là, on en a un, on va pas empêcher 50. Je me vois pas faire des batailles avec brochet. Ah bah super, Tokageki. Comment tu vas, au fait? Et bonsoir à toi, pardon. Et merci d'être passé. Alors comme tu vois, l'interface n'est pas la même que d'habitude, c'est parce que l'ordinateur est mort.
en fait. L'ordinateur, ah, c'est magnifique! Un Loupio! C'est un Loupio, trop fort! Et l'ordinateur, mon ordinateur principal est décédé dans d'atroces souffrances. Donc du coup, j'ai dû prendre celui de secours. Mais du coup, il y a beaucoup de jeux qu'on pourra pas faire en fait. Alors, on va l'attaquer un petit peu, mais on va y aller tranquille. On va lui faire une vive attaque, mais gentiment. Et je suis content de te voir. Ça fait plaisir de te voir, Tokagiki. Eh ouais, c'est un peu efficace ça. On va lancer une Pokéball parce que je ne vois pas. Si je lui remets un coup, je pense que je le one shot. Enfin que je le finis, pardon. Pas one shot, mais que je le finis, donc j'aimerais pas avoir à le finir. Parfait. Alors, on a attrapé Loupio. C'est possible que ça vienne de toi, je vais vérifier. Non, ça a l'air d'aller. Demande aux autres, mais pour moi, ça a l'air d'être bon le live là. On a l'air d'être pas mal. Baisse peut-être la résolution dans laquelle tu reçois le live. Peut-être, hein. Tokageki. Alors, les données de Loupio ont été ajoutées au Pokédex. Ah, c'est un type eau électrique celui-ci. Tiens, c'est intéressant ça, un type eau et électrique. Voulez-vous donner un surnom à Loupio? Ouais, on va lui donner un surnom. On va l'appeler Toka. Parce qu'il est beau celui-ci. Là, je lui donne ce surnom-là. Et la prochaine fois, Tokageki, tu me diras ce que tu veux comme Pokémon. Pour que je lui donne ton nom. Hop, une petite Pokéball ici. Alors, une Pokéball un peu spéciale qui fonctionne particulièrement bien sur les Pokémon eau ou insectes. D'accord. Ah, mais c'est pour ça en fait. C'est parce que, d'accord, il te donne des Pokéball qui peuvent aller sur autre chose. Et ouais, voilà, c'est pour ça. Ça va alors. J'étais trop lent, mais bien sûr, parce que je regardais le chat, bien évidemment, ça m'arrive. Hop. Après, on ira de l'autre côté aussi, encore. On va essayer de pas prendre que des brochets. Pas de bol. Jean-Charles, pas de bol. Non. Pardon, autant pour moi. Je fais de la bouse. Bah, j'espère que ça bug pas trop, c'est dommage. C'est dommage. Allez, hop. Alors, le même que la dernière, que tout à l'heure, j'aimerais bien choper un autre. Attendez, hein, je vais. On va fuir. Deux secondes, je vous demande deux secondes, les gars. Non, c'est pas ça, c'est là. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Je le ferai plus tard. J'y arrive pas de là. Je le ferai plus tard. J'arrive. Hein, les gars, deux secondes, excusez-moi. Hop. Essayez un truc. Voilà. Ok, pardon. Autant pour moi. Oh, regardez. Ah, on va récupérer des watts là, les gars. C'est sûr de 100%. Hop là. Alors celui-là par contre on va l'affronter comme ça, on va récupérer un petit peu des watts, ce sera pas mal. On n'en a pas beaucoup, on n'en a pas eu beaucoup jusqu'alors.
Efficace, efficace, pas très efficace. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de Pokémon. Mais après, on va essayer ça. On va lui faire un double pied. Bah carrément, carrément, comme ça, ouais, c'est ça, 30 d'un coup, et t'es tranquille. Mais écoute, on va réessayer ça, je sais pas si ça va le faire, en fait. Il va me one shot. Il va me faire très très mal. Est-ce que tu sais comment on fait Non. J'arrive pas à... Masterman va bosser chez Game Freak, c'est vrai? Pour de bon? Trop bien. C'est vrai que ce serait pas mal ça. Avec un filet, ils auraient dû sortir un filet, ça aurait été vraiment bien. Ça aurait été vraiment bien. Ok, allez, Amandine monte niveau 22, déjà c'est pas mal. Ah voilà, on a eu des watts, on va essayer. On aimait bien ce mettre là, je trouvais qu'on chopait quelque chose de pas trop mal. Mais j'ai fait de la... D'accord, ça va, à plus. À plus, Master. On va pas tarder à se quitter, de toute façon. Je finis un tout petit peu de pêche là pour regarder s'il n'y a pas autre chose qui pop en fait. Et puis après on voit, on se laissera là. Et alors celui-ci on l'a déjà. Et merci d'être passé en tout cas, hein. Merci beaucoup. Fais voir un peu. Niveau 23. Je sais pas si on... Allez, on va essayer de se l'attraper quand même. Tiens, on va faire une double attaque, un double pied. Un carapuce éco à plus ourra. C'est ça. Ah, je suis toujours paralysé, mince, zut, j'aurais dû prendre quelque chose. Du coup, fais voir, on va sortir de là. C'est pas par là. On va aller dans le sac. Je vais prendre ce qu'il faut pour me soigner. Un petit para, bien sûr. Ciao, Master, merci d'être passé en tout cas, merci beaucoup, et désolé pour la qualité du live, du fait que l'ordinateur principal est décédé dans d'atroces souffrances. RIP l'ordinateur. Du coup, voilà, on se retrouve avec l'ancien, avec le vieux, et c'est un peu moins ça, mais j'ai fait comme j'ai pu, j'ai fait au dépoté. En tout cas, à plus tard, Master, une bise, une grosse bise et merci. Allez, on va soigner un petit peu. Alors, est-ce qu'on peut lui faire quelque chose ou pas du tout, du coup? Est-ce qu'on changerait pas? Non, on va changer. Par contre, je sais pas avec qui l'attraper, celui-là, là. C'est un type haut. On va essayer avec Pikachu, tiens. On va essayer avec Pikachu. Alors, le Sherlock Sauvage, un alibi, nanana. Allez. Du coup, on va faire ça. Ah, la petite étincelle. La petite étincelle dans le regard, ça a tout fait. Ça a tout fait. Sérieux, j'étais un peu blasé les gars, parce que en fait, pour tout vous dire, j'avais prévu d'acheter juste une belle caméra, je voulais m'acheter, pour aller avec mon bel ordinateur qui est là mais qui est mort juste à côté par terre, et un fond vert. Et en fait, pas du tout. Et ce sera pas possible. Donc du coup je suis un peu embêté, ouais. Allez, on utilise Bomberk. Si ça fonctionne pas, bah écoute, on va faire ça, hein. On va faire la même que tout à l'heure, et puis on verra bien. Hop là.
La tortue, elle aime pas le... Définitivement, les types eau, ils aiment pas l'électricité. Réellement, réellement pas, en tout cas. Ok, allez. Du coup, il doit y avoir le phare quelque part, le phare Aon. Alors, on a trouvé deux super potions, parfait. Ok, il est là, le phare. Eh bien, les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce soir en tout cas. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. En fait, c'est le. Il y a un message d'erreur sur le disque dur. En fait, c'est pas l'ordi qui a pété, c'est le disque dur. Mais si tu veux, le problème, c'est que Lionel, il est à 11h ou 12h ou 13h d'avion. Donc, du coup, il va falloir que j'attende qu'il rentre pour qu'il regarde ça. Et on sera obligé de live avec mon vieux, donc ce qui veut dire qu'on livera pas comme j'avais prévu samedi un live Death Stranding, et puis jeudi j'avais prévu un autre live. Je vais tout décaler, tout faire sur Twitch déjà, parce que ça passe mieux et ça passe comme il faut. Et du coup, bah, écoute, on va faire comme ça, à mauvaise fortune, bon cœur. Je ferai les vidéos, je les ferai en vidéo les autres, mais je peux pas les faire autrement que je pourrais pas les faire en live, malheureusement, parce que cet ordinateur il y arrive pas quoi. Pour encoder, c'est pas possible avec un petit ordinateur comme ça. Voilà. Non, j'avais pas de backup du disque, non, pas du pas, non pas, parce que non pas, désolé. Mais je le saurai pour la prochaine fois, tu vois. Je le saurai pour la prochaine fois. Mais j'avais pas prévu en fait de changer d'ordi et d'avoir. Enfin, on prévoit jamais hein, d'avoir des ennuis comme ça. On va sauvegarder la partie avant de se quitter. Avant de se quitter, je vais essayer de faire un dernier truc. Après, on se dira au revoir tranquillement. On va ajouter. Alors, il est comment ton pseudo, Tokageki? Avec quelle couleur? Parce que j'en ai un qui est rose là. Je me remets sur le direct. Je me remets sur le direct. Ouais, ça par contre c'est moins pratique que sur YouTube. J'aurais bien voulu faire un petit truc, mais j'y suis pas arrivé. Bon, je verrai ça hors live. En tout cas, les gars, je vous embrasse. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Merci Orphan. Merci Master. Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup. Normalement c'est cette scène-là si j'ai pas voilà j'ai pas oublié. J'espère en tout cas que le live vous a plu. Je suis désolé, on fait avec les moyens du bord là. Je suis un peu embêté, mais bon. À mauvaise fortune, bon cœur, on a quand même réussi à faire un live et c'est bien ça l'essentiel. Comme ça m'a permis de bien rigoler, de bien décompresser. Et du coup rouge orange il est. D'accord, mais je regarderai ça à l'extérieur. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de passer un bon appétit, et puis on se retrouve à très très bientôt et très très vite les amis. Demain, donc tous les lives qui devaient être ailleurs sont tous reportés sur qui devaient être sur. Ouais, il va falloir. Je vais mettre tous les lives de la semaine seront sur Twitch finalement, parce que sinon ça passe pas. Voilà, avec cet ordinateur ça passe pas. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une bonne soirée, et puis. Écoutez, on se retrouve très très vite. À demain les amis, bye bye. Je vous embrasse, merci, bye bye. Ciao. Monsieur. Allez, au revoir.